Ouais, salut XP, ça va? Ouais, dis-moi, je suis un peu speed là pour l'interview, t'as 2-3 minutes à m'accorder, j'ai quelques questions à te poser. Ouais, en fait, la première question c'était, toi tu critiques pas mal les rappeurs qui s'inventent un vécu de voyou, qui font un peu l'apologie de la rue, qui parlent de rue sans vraiment la connaître. Qu'est-ce qui fait que justement, toi t'es plus crédible qu'un autre? T'explique, à les entendre, ils sont tous armés, tous ici. C'est pas les tendres, c'est des voyous sur scène. Ils mettent l'école, la politique, ils veulent du chien. Ferme ta gueule rappeur, ils vont te cracher dessus dans ma ville. À les entendre, il n'y a que ventre qui compte. Connaissent la rue mieux que quiconque. Ils sont l'avenir, leur sang ne fait sur mes pompes. Ils se foutent de cette musique, se foutent des mots qui les écoutent. Le rap français, plus je l'écoute et plus j'ai honte. Histoire de bitch, je biffe, histoire fusil à pompe. Histoire de briller sur un beat, tout le monde se la raconte. Les rappeurs se prennent pour des mecs, les mecs pour des MC. Ils sont tournés vers la mec. Se prennent pour des prophètes, beaucoup de rappeurs et peu d'artistes, beaucoup de producteurs, éditeurs. Beaucoup font du son pour la piste en espérant être créditeurs. Beaucoup de stars, beaucoup de clips, beaucoup trop de silicone. Enfoiré, t'as fait un hit, tu te prends pour une icône. Écoute, j'ai 10 ans de rap, toujours une seule et même ligne de conduite. Respecter son public, toujours assumer chacun de ses titres. Ne pas attendre leur industrie pour pouvoir sortir ses musiques. Ok, continue l'interview. Justement, tu sais, par rapport à ça, en parlant de ton statut de rappeur indépendant, tu fais de l'autoproduction, mais est-ce que c'est un choix de ta part ou c'est plus une fatalité? Toujours à découvert, je paye mes disques à crédit. Me vendre d'être libre dans mon art, pas d'être en autoproduit. Les PDG veulent signer le jeune XP. Ah bon? Si le contrat est béton, je signe, sinon y'a pas de compromis. Ouais. Toujours à découvert, je suis lucide sur cet art. Je suis qu'un monde de lander qui vise et tire dans le tas. Je ne respecte aucun format, ne pratique aucune formule. Les mecs authentiques comme nous ne les intéresseront pas. Mon autoprod n'est ni un choix ni une fatalité. Tous leurs disques se ressemblent, je suis un gage de qualité. Hardcore, moyen du corps, moi et les miens d'abord. Sors mes disques à perte sans aucune finalité. Alors pourquoi tu fais de la musique à ce moment-là? Et toi pourquoi t'es journaliste? Pourquoi j'ai soutien du public? Pourquoi mes jobs financent-ils cette musique? Pourquoi on s'accroche tous autant? C'est la passion frère. Chacun de nous bosse gratuitement, du manager à mon graphiste. Ok, j'ai 10 ans de rap et je serai toujours aussi intransigeant. Je me fous de ce qui marche, de ce qui vend et du discours de l'ouïe. Je me fous de la tendance pourvu que ça puisse toucher des gens. Indépendant. Ouais, indépendant. Après, ouais. Ça marche, Inch'Allah, tu vois. Ok, en écoutant tes textes, j'ai cru comprendre que t'étais d'origine algérienne, donc sûrement de confession musulmane. Comment tu fais pour concilier foi et musique? Tu veux savoir si ma musique est halal? Tu vois tous ces rappeurs dont la foi fait dans le zèle. Tous ceux qui parlent de vie en se prenant pour des modèles. Et moi, je parle de moi et dans mon crâne, bordel. Je ne suis au-dessus d'aucun homme, moi je rappe de nos faiblesses. Ni la misère, ni la foi ne seront mon fond de commerce. Je rappe, je décris, mes mots n'ont jamais poussé au crime. Différencie mon écriture avec les moments où je prie. Mon rap me ressemble, tant mieux si mon rap rassemble. Je me fous des savants et du reste qui jugeront profane mes sens. Rap, foi, équilibre, chez moi rien n'est dissensible. Le rap me sauve à la main libre et le tout guide ma vie. Et ta famille dans tout ça comprennent vraiment ce que je fais. C'est un loisir pour eux qui m'éloigne des méfaits. Tu sais pour eux ce qu'on fait pas suer ne sera jamais un vrai métier. C'est l'habitude, la condition des immigrés humiliés. Alors je prends le rap comme un bon sans prétendre avoir une mission. Je n'aurai pas honte devant mes gamins s'ils veulent écouter mon son. Si on demande d'où vient ce type, faudra que tu répètes ce nom. Je crois que c'est bon, on va rester là, ok? Attends, expérimental. Eh, tu sais, je rappe, tout ça, j'ai un groupe et tout, tu sais, ça te dit, je te fais un petit 16 là. Ok, ça fait mes rap agressifs comme des graves dans ta face. Y'a trop de Robocop dans le hip-hop quand je déballe. Ma putain de bombe verbale, y'a. Mais il est où? Expérimental? Putain, il sait pas ce qu'il perd.